Les Français ont entendu dire que vous ne payez pas d'impôts, ou en tout cas que vous n'en payez pas assez. Alors en ce jour, ils viennent de payer, leur premier tiers provisionnel, et vous aussi, je suppose. Pourrais-je vous demander de vous expliquer là-dessus autrement que par un communiqué pas toujours très clair? Volontiers. Parmi les attaques qui ont été portées contre moi depuis 2 mois environ, l'attaque principale a porté sur ma situation fiscale. Il m'a d'abord été reproché de ne pas payer assez d'impôts. Les présidents d'Assemblée, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou avant la guerre de la Chambre des députés, disposent, pour faire face à leurs charges de fonction, d'une indemnité. Et cette indemnité, depuis une décision ministérielle de 1929, j'avais 14 ans, n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu. J'ai donc suivi la loi de tous.